Allez bien les amis, écoutez, moi c'est Tommy Kel, comme d'habitude, et aujourd'hui, les amis, on se retrouve, comme vous le savez, pour mon aventure incroyable dans cette forêt sur Pikuniku. Tu as vu ça toi? Et tu es content, regarde-moi ça. Regarde bien, tu as vu comment c'est génial notre aventure. Et les amis, je voulais vous remercier comme d'habitude pour tout mon retour justement sur ce jeu complètement incroyable qui est tout simplement Pikuniku. Et les amis, comme... vous avez vu comment... c'était beau, hein, vous avez vu, j'ai amené le truc là-bas, tu vois, jusque là-bas avec un coup de pierre. J'ai géré quand même, et comme j'allais le dire les amis, comme vous le savez, la fois dernière, il fallait trouver tout simplement un moyen de rentrer dans le club VIP. Et comme vous le savez, on l'avait trouvé car c'était effectivement les petites lunettes de soleil. Voilà, parce qu'il est bien connu que quand tu as des petites lunettes de soleil, t'as vu, c'est tellement dur à dire que forcément, tu es super classe. Voilà, donc du coup, les amis, et aussi on avait battu une grande tartine. Mais bon, hein, ouais, ça fait partie de la vie, c'est des choses totalement normales, on est d'accord. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, tu as trouvé un trophée. Le toast démoniaque. Ah oui, ah bah je m'en souviens de ce toast, hein, crois-moi, pour le coup. Alors du coup, est-ce que je peux rentrer maintenant dans le Sunshine Club? On va voir ça. Bonjour, voulez-vous entrer au Sunshine Club? Oui, ok. D'abord, laissez-moi analyser votre style, ne bougez pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il avait pris tellement de temps à nous analyser, quoi. Tout ça pour dire non au final. Analyse en cours, ne bougez pas. Je bouge pas, hein. De toute façon, je peux pas faire autre chose. Grosse analyse en cours, ne bougez pas. Mais je bouge pas. Oh, je vois. Vous avez opté pour un look minimal chic. Vous pouvez entrer. Entre nous, darling, cette tendance est très vintage de l'année dernière. Mais vous avez l'air désespéré. Oh là là, non mais il ose. Allez-y. Ouais, mais que je sais pas ce qu'il a, mais je trouve que je suis stylé quand même. Attends, oh, c'est des belles lunettes. Attends. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, il y a du monde. Hé, hey, on est là. Tu Sunshine Club. Sunshine a construit cette boîte pour rendre nos vies plus heureuses. Mais maintenant, il coupe tous nos arbres. Et tout le monde est trop occupé à danser pour y faire quoi que ce soit. Tu as l'air d'être de notre côté. Mais on en doit être sûr. Ouais, on ne sait pas d'où tu viens. Tu pourrais être un espion. Ou pire. Une hallucination cognitive mutuelle. D'accord, pourquoi pas. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin que tu nous prouves que tu es avec nous. Tu vois ce robot là-bas? Ouais, le robot tout moche là-bas, ouais, je le vois, ouais. Il s'est autoproclamé roi de la danse. Personne n'a jamais osé le défier dans une battle de dance. Et si tu es avec nous, tu n'auras aucun problème à l'affronter et à le battre. Ouais, écrase-le. On t'a l'œil. Je m'occupe de lui. Attendez, vous allez voir. Je vais faire les meilleurs pas de danse de jamais vu. Ok. C'est moi, le roi du dance floor. Tu viens me défier? Ouais. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tu n'as aucune chance. C'est parti. Alors là, mon gars, tu sais pas qui tu parles. On porte la bataille de danse contre le robot. Merci, les troupes. Ok. Ok, faut représenter, faut appuyer sur la même touche au bon moment. Ok, pour l'instant ça se passe bien. Je suis le roi du dance floor. Et regarde-moi ça. Regarde ce déhanché. T'en as jamais vu des comme ça de toute ta vie. On est tellement stylé. Et pour l'instant c'est un sans faute, hein, les amis. Oh là, c'est chaud. Je me demande si j'ai le droit de faire des erreurs ou pas. Mais vu que c'est le roi de la danse, ça m'étonnerait. Ok, attention les amis. J'essaye de me mettre dans l'ambiance. J'essaye les amis, j'essaye, c'est chaud. Je suis tellement concentré. Oh my god. Oh là là, c'est chaud. Oh là là. C'est un sans faute pour le moment. Oh, comment je gère? Oh, ça va tellement vite. Oh là 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 là. Oh oh oh, ok c'est bon. Est-ce que je l'ai battu? J'espère que je l'ai battu. S'il vous plaît, dites-moi je l'ai battu. S'il vous plaît. Attention. Oh. Oh. Oui, 86%. Oh là là, je suis proclamé le roi du dance floor. Oh là là, c'était chaud. Oh bah il s'est carrément explosé. Ah d'accord. Yes. Waouh, tu sais bouger. Yay. Ah, on voit que tu n'as pas peur d'affronter les robots. Prends ça, tu sauras quoi faire avec. Oh, une carte magnétique, hein. Merci, mon ami. Allez, maintenant, il est temps de trouver l'utilité de la carte magnétique. Oh, il est temps de trouver l'unité. Enfin, l'utilité, pardon, de la carte magnétique. Je le savais. Oh, c'est une grosse pièce, j'aimerais bien la prendre. Je ne peux pas. D'accord, ok. Bon, alors, à quoi pourrait servir cette carte magnétique? On va aller voir. Alors, est-ce qu'il y a moyen de quitter le village ou pas?
Ah, il me semble que je sais. Oui. Il y avait un truc, vous vous souvenez les amis? En bas d'un arbre, il fallait une carte magnétique. Ah, bon, non, Picou, non, tiens. Non, ce n'est pas le moment de s'amuser avec ça. Oh, c'est peut-être là. Oui, c'est ça. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Oh, c'est un ascenseur secret. Oh. Oh. Alors, objectif principal, toute l'utilité de la carte magnétique. C'est fait. Oh, mes potes, mais ils sont... Mais comment ils font pour aller aussi vite, eux? Ah, tu nous as trouvé. J'avais peur que tu ne trouves pas les... Salutations, étrangers. Et bienvenue à... El Bunko. Si. El Bunko? El quoi? Personne ne dit El Bunko. Mais c'est un bunker. Non, pas du tout. Et ce mot n'existe pas. Mais ça claque pourtant. Ben, pas vraiment, non. En fait, on se trouve dans l'ancienne station de métro. On n'était pas encore nés, mais j'ai entendu dire qu'il s'agissait du premier projet de Sunshine. Oh! Ils prétendaient relier toute l'île, mais ça a été annulé et ils ont détourné le courant vers leur siège. La station est abandonnée depuis. Mais on avait besoin d'un lieu sûr pour planifier la mission, un endroit où les robots ne viendraient pas. Alors, on a établi notre base ici. Viens, on te fait la visite. El Bunko! Mais cette station de métro! Ok, si les rebelles. Oh, c'était les rebelles! Ça se voyait! Ok, petite porte. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette zone? Nous y voilà! El Bunko! Mais non, je te jure. Non, mais sérieusement! Ce n'est pas un bunker, arrête de l'appeler El Bunko. El Bunko. Enfin bref, voici la pièce principale, là où on se réunit. Derrière moi, il y a quelques lits au cas où pour se reposer un peu. Eh, c'est pas mal! Ils ont une sacrée pièce et tout, hein. C'est... moi j'aime bien. Ça me plaît bien, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, un tableau gigantesque. Et voilà notre salle des opérations, où nous planifions notre mission. Nous devons être préparés à 200% avant d'aller sur le terrain. Sinon, la mission finirait en véritable fiasco. Oui, comme quand on s'est retrouvé coincé en haut d'un arbre. On continue. Oui, c'est vrai, oui, je me suis... Oui, c'est vrai, je les avais sauvés, c'est vrai. La salle des ordinateurs se trouve en haut. Parce qu'une base secrète sans ordinateur, c'est moins cool. Et on a même installé un jeu de flipper sur cela. Ouais, mais pas le temps de s'amuser. On part bientôt pour notre prochaine mission. Attends, bientôt? Ah! On aurait peut-être dû commencer par le commencement. Tu as sûrement dû entendre parler du Sunshine. La grosse entreprise qui donne de l'argent gratuit à tout le monde! Tu vois, ça, ce n'est pas si simple que ça. Monsieur Sunshine prétend aider les villages en leur donnant qu'il va se débarrasser de leur bric-à-brac. En disant qu'il va se débarrasser du bric-à-brac, mais en réalité, il s'empare des ressources vitales de chaque région. Et cette histoire d'argent, c'est un stratagème pour éviter d'attirer l'attention sur ce que fabriquent ces robots. Donc personne, n'est-ce pas? Oh, vous pensez qu'ils sont en train de fabriquer un autre truc? Ça cache quelque chose, il faudra qu'on aille voir ça. Alors, on ne sait même pas pourquoi il a besoin de tout ça. Ce qu'on sait, c'est que si on le laisse tout prendre, tous les villages finiront par disparaître. Dans un jour ou deux, ils auront terminé de couper tous les arbres des alentours. Prochaine étape, raser tout le village! Nous vivons dans ces arbres! Notre but est de stopper Sunshine, quel que soit leur but. On va commencer par éliminer le gros robot dans la forêt. N'hésite pas à demander si tu veux plus de détails. Oh, ça me plaît ça! Bon, alors les amis, je pense que le plan est très clair, comme vous pouvez voir avec ce magnifique dessin qui est derrière nous. Il va falloir tout simplement bousiller ce robot. Alors attendez, on va visiter quand même la base. Ça serait cool. Et je vais garder mes lunettes de soleil. Je suis tellement trop stylé. Alors là, normalement, c'était les ordinateurs. Oh, sympa les ordi, hein. Attends, je peux monter sur lui ou pas, tu penses? Oh, y a des caisses. Y a des caisses. Y a des caisses partout. Vous avez vu ça? Bon, je pense qu'à mon avis, voilà, le but là, ça va être d'aller voir ce fameux robot. Est-ce que je peux lui parler ou pas? Non, je peux plus lui en parler. D'accord, ok. Bon, on va aller voir en bas. Hop, qu'est-ce qu'il y a en bas de ce bunker? Enfin, El Bunko, pardon. Oh, des pommes de pain explosives. On aura besoin d'une bonne quantité de pommes de pain explosives pour se débarrasser du robot géant. Mais ne t'inquiète pas, je m'en charge. Ça me plaît, ça. Ok, très bien. Bon, alors, on va aller dans la forêt. On va essayer de trouver ce fameux robot géant. Et on va s'en occuper le plus rapidement possible. Ok. Alors, normalement, tac, je pourrais sortir par là, je pense. Hop, c'est parti. Ok, direction. Oh, attends, il y avait un truc. Attendez. J'ai raté un truc. Il y avait un truc à gauche. Qu'est-ce que c'est? Attends, qu'est-ce que c'est par là, là? C'est un mur? Oh, oui, c'était le lit. D'accord, c'était ce qu'il disait pour se reposer. Voilà, je voulais absolument vraiment tout visiter. D'accord, très bien. Bon, alors, où est-ce que pourrait se situer ce robot? Déjà d'une, bon, va falloir remonter. On va s'en occuper, vous inquiétez pas. On va s'occuper de ce robot, c'est moi qui te le dis. Hop, la petite carte magnétique, hein. Hop, alors, voyons voir, je pense qu'il va être vers la droite. Alors, bat le robot de la forêt, c'est ça. C'est moi, vous l'avez vu l'autre shooter avec son ballon en haut à gauche. Alors, à mon avis, peut-être qu'il est à droite. Je pense qu'il est à droite du village. Je pense que ça peut être que ça. Alors, voyons voir un petit peu. Tac, si je vais par là. Comme ça, voilà.
Attention, c'est moi qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les arbres coupés, regardez. Oh, le robot, il est là. Attends, est-ce que c'est notre pote, lui? Attends, je vais aller voir. Alors, est-ce que t'as un truc à me dire? Donne un coup de pied au robot quand tu seras prêt. Mais attention, ça pourrait mettre en colère. Eh ben, ça roule. Je suis fait pour ça. Ha. Vous allez voir, je suis Piku Jumper. Personne touche à mes amis. Alors, un coup de pied. Ouh, il a pas aimé. Attaque détectée, mode de défense activé. Oula, avec ce gros scie là. Oula. Hé, on est là. Fais attention à la scie du robot. T'inquiète pas pour moi, l'ami. Wow. Bon, ça va vite, waouh, je m'attendais pas. Frappe ça avec le pied. Et bam. Tiens. T'as eu mal, hein. Ouh, il a pas aimé. Oh là là, il va vite. Oh, il va super vite avec sa scie. Ok, il va recommencer. Wouh. C'est bon, nickel. Je saute plus vite que mon ombre. Ah, je l'ai raté. Ok, c'est pas, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, j'étais concentré sur le robot. Attention, il arrive. Wouh. C'est bon, nickel. Un jour, il va refaire un aller-retour, je vais rien comprendre. Ok, très bien. Alors, est-ce que c'est sur le droit ou gauche? Ok. Yes, tiens. Oh, attention, il va être en colère. Il va être en colère, attention. Oh, waouh. Il s'est arrêté, il s'est arrêté, il a essayé de me feinte. Il a essayé de me feinter, oh là là. Voilà, c'est bon. On y est, à la pomme de pain. Bim. Tiens. Oh, oh, il explose, oui. Oui, on l'a eu. Yes. Oh là là, oh, il a essayé de me troller, mais laisse tomber, quoi. Ce piège. Ce piège. On a réussi. Objectif principal, célèbre ta victoire. Bon, là, avec grand plaisir. Plus de robots. Le village est sain et sauf. On n'y serait jamais arrivé sans toi. Merci. Bonjour. Ah. Qui es-tu? Comment nous as-tu repéré? Je viens laisser la porte ouverte. Je referme toujours la porte derrière moi. La porte était ouverte. Ah, autant pour moi. Désolé, je peux revenir plus tard si vous voulez. Non, non, ce n'est pas, c'est pas ça. Cet endroit est supposé être une base secrète. On ne veut pas que les robots nous découvrent. Eh bien, c'est pour ça que je suis venu. Je vis dans le village près de la forêt. Sunshine envoie ses robots pour récolter notre maïs. Ah, c'était notre pote du début d'ailleurs. En échange, il nous donne de l'argent, mais je ne sais pas. On est déjà plein aux as. On sait plus quoi en faire. En plus, j'adore le maïs. Oh, on connaît bien ça. Il se passe la même chose dans notre village. Ou plutôt, c'est passé. Notre nouvel ami nous a aidé à stopper le robot. Oui, c'est moi avec les belles lunettes de soleil. Je sais, je t'ai suivi et j'ai vu ce que tu as fait. Si le robot de mon village continue à prendre nos récoltes, on aura bientôt plus de maïs. Et ça veut dire qu'on n'aura plus rien à manger. Les gens de ton village ne font rien. Ah non, ils attendent tous le robot pour ramasser quelques pièces, qui ne servent plus à rien d'ailleurs. Ah. Ah. Donc je suis venu vous demander votre aide pour nous débarrasser de ce robot. Je suppose qu'on pourrait essayer. Youpi. On a fait une grande... équipe. Allons battre son derrière métallique. Merci. Je ne peux pas sourire. je n'ai pas de visage, tu vois. Ok, bon. Du coup, comme vous le voyez, nouvelle mission. Tout simplement, on va aller botter le petit arrière très métallique de ce robot du premier village. Trop cool. J'ai utilisé les morceaux de métal que j'ai trouvé pour fabriquer quelque chose. Tiens. Oh, un chapeau arrosoir. Oh, ça pourrait me servir à faire pousser des trucs. Peut-être que tu pourras faire pousser des fleurs par-ci, par-là. Retourner à la vallée. Très, très bien, ça. Ok, bah la vallée, bah on connaît. C'était le tout début. Alors normalement je pense que là, est-ce qu'il y a moyen? Ah, attendez, je vais prendre ma carte. Je vais changer de chapeau déjà. Je vais enlever mes lunettes de soleil. Ça veut dire qu'on pourra faire pousser les trucs. Et je pense qu'on en avait besoin, je pense, pour revenir au début du village. Alors du coup, normalement c'était ça. Oui. Oh, je suis tellement stylé, regardez ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bonjour monsieur l'écureuil. Je ne touche pas à vos glands, vous inquiétez pas. Oh, il y a un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous avez trouvé un robot géant. Un trophée de robot géant. Génial. Il avait volé ça, le fourbe. Oh, attends, tac, on va remonter. Voilà, directement. Hop, alors on va passer au-dessus. Normalement, je peux... J'arrive plus à sortir. Voilà, normalement, si je vais par là, je dois pouvoir retourner à la vallée. Eh, c'est trop cool, on va pouvoir aller aider les potes de notre village. Du premier village qu'on a croisé. Alors, est-ce que normalement, je peux remonter tranquille ou... On va voir. On va voir tranquillement. Heureusement, je peux rouler, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, donc il faut que je retraverse l'espèce de désert là. Retourne à la vallée. Yes. Ah oui, c'était ça, attends. Oh, regardez, j'arrose, c'est un arrosoir que j'ai sur la tête. Ah, génial. Ah, c'est excellent. Oh, waouh. Oh, génial le raccourci. Et là, c'est pareil si je veux revenir de l'autre côté. Oh, génial.
trop... Attends une petite minute. Il y a un passage là, je ne suis pas allé là-bas. Ah oui, par contre, ouais, il faut... D'accord, ça reste pas constamment, d'accord. Et on, les fleurs, elles en demandent, c'est quoi ça? Alors, on va en avoir besoin. Ouais, il y avait un espèce de bouton là-bas. Attendez, je pousse ça. Voilà, tranquillement, ça y va. Allez, à Picou, on y va. Donne tout ce que t'as, l'ami. Donne tout ce que t'as. Voilà, c'est bon, nickel. Yes. Et là, on peut passer par là. Ok, sympa. Alors, il y a un autre truc, j'ai l'impression. Ah, il va nous falloir un gland. Il va nous falloir un gland. Regarde, comme ça. Oh là là, je te l'ai envoyé du premier coup, quoi. Nickel. Ça, pareil, on en a peut-être besoin, non? Attends, dans le doute, je le pousse là-bas. Voilà, on sait jamais. Oh, le crochet. Attention. Oh, des pièces. Oh, ça s'appelait. On pourra s'acheter des petits chapeaux tranquille. J'ai 60 pièces quand même, ce qui est plutôt pas mal. Alors, attention, est-ce qu'il y a des pièges? Il y a pas de pièges. Oh, il y a masse truc là. Alors, ça, c'est pour l'eau. Ok. Il va nous falloir quand même quelque chose. Il va nous falloir... Alors, est-ce que je peux monter là ou pas? D'ailleurs, petite technique, hein, on peut sauter en plus haut en faisant, les amis, une petite roulée-boulée. Oh, attendez, les amis, je viens de trouver. Regarde, en fait, c'est tout simple. Regardez, j'amène la balle là. Regardez, simplement. Voilà, comme ça, à peu près. Bon, un peu plus... Est-ce que je peux la mettre un peu plus à gauche ou pas? Voilà, nickel. Là, elle est bien. Regardez, voilà, comme ça. Tac, je monte là-dessus. Là, regardez, hop là. Voilà. Alors, encore un peu. Hop. Oh, je la shoot. Oh, je la shoot mal. Ah. Est-ce qu'elle va retourner ou pas? Il faut que je la remette. Il faut que je la remette dessus. Voilà, comme ça. Allez, reste bien dessus. Voilà, comme ça. Nickel. Ok. Et là, normalement, avec El Geyser, moi, je peux réessayer à fond. Oh, oh, presque. Ok. Oh, oh, presque. Oh, comme ça. Ah, j'ai trouvé la technique. Oh oui. Oui, j'ai réussi. J'ai réussi. Yes. Oh là là. Cette technique ultime. Ok, et là, je peux faire pousser ça. Bon, en soi, je pouvais monter sur le petit carré là à droite, hein, tu me diras. Ah, d'accord, ça met juste des fleurs en plus. Ok, bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un ressort. Voilà, et là, c'est bon. On va pouvoir revenir à la vallée. Yes. Allez, j'arrive. Oui, non, ça, c'est bon, c'est, je sais, hein, je sais, je vais y avoir force, hein. Ça fait bien trop longtemps que... Ah, que j'ai essayé de faire ça déjà. J'ai déjà fait les ressorts. Alors, le nénuphar, tu te pousses. Voilà, c'est bon. Direction la vallée, les amis. Nous y sommes. Nous allons libérer le village. Oh, il pleut. Wow. Oh, le mauvais temps, quoi, pas terrible. Ah. Oh, bah tiens, je... Bah oui, bah pourquoi pas des pièces, surtout que je peux passer là. Oh, un cadeau. Oh, la pierre cachée. Bah oui, c'était... Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais... je l'avais trouvé. J'avais oublié que... hop. Qu'il y avait un trophée derrière. Alors, normalement, il me semble que le... Le fameux robot était tout au bout. Oh, qu'est-ce que c'est? Je me demande ce que Ellie fabrique. Je pensais que c'était... ce n'était qu'une petite visite. Ah, bah oui, bah il est resté là-bas. D'accord, je viens de comprendre que Ellie, c'était le fameux bonhomme bleu. Hein, voilà, le fameux bonhomme bleu tout poilu. Ne cours pas quand il pleut. Tu pourrais glisser. Sérieux? Sérieusement, là je peux rouler, de toute façon, donc bon, en soi. Alors, normalement, si je vais à l'endroit au niveau des maïs, est-ce qu'il y a moyen qu'on tombe sur ce robot? Ah, si, il y a encore. Je pense qu'il y a encore. Il doit y être encore. Attends, je vais voir. Il a pas l'air d'être là. Si, il est là, je l'entends. Ah, il y a notre pote, regardez, qui est caché là. Ah, tu vois là. Le robot est encore là. Ça n'aurait pas été trop difficile de l'énerver. Peut-être qu'un petit coup de pied ou deux. Ah, oui, bah, il est toujours. Ok, je prends les pièces, vite fait, voilà. Allez, les pièces. Alors, où est-ce que t'es? Vilain. Je t'attendais. Il est là. Oh, bah, alors là, c'est réglé. Hop là, tiens. Oh, oui, il est énorme lui. Oh. Action hostile détectée. Mode poursuite activé. Comment ça, mode poursuite? Oula. Oh, ils ont fait un laser. Eh, hey, tu nous entends? Mène le robot jusqu'à nous. Et ensuite, on prend le relais. Ne laisse pas t'attraper. Ok. What? Oh my god. Oh oh, je dois courir, il doit être derrière moi. Il doit être derrière moi. Oui, il est derrière moi, c'est sûr. Regardez, oh, il est là, il est derrière. Vite. C'est quoi cette porte? C'est un raccourci. Heureusement que je l'ai pris, hein. Heureusement que je l'ai pris. Voilà, nickel. Allez, on court. Enfin, on roule. Ok, alors, fallait monter sur les nuages, je ne savais pas. Oh là là. La course poursuite. Ok, par là. Attention. Oh, c'était chaud. Ok.
Ok, la petite porte. Allez les gars, courez! Oh, oh le trophée! C'est moi le monstre! Ah les cailloux! Non! Ok, ça roule. Ah, faut éviter de tomber dans les trous là. Oh les amis, je suis tellement concentré. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ok, ça va, ça se passe bien. Il est juste derrière. On voit bien, il aspire les trucs. Ok, on roule. Oh là, faut aller tellement vite. Oh, les boss sont chauds quand même, je trouve. Enfin, ils sont chauds. Voilà, c'est façon de parler, quoi. Mais bon, ils sont pas faciles. Ils sont pas très très simples non plus. Ok, logique. Feu Jumper 2019. Ok. Oh, c'est bon, yes, on y est du premier coup. Vas-y, tirez les gars, tirez. Et c'est parti. Oh, il a pas aimé. Il a pas aimé du tout. Yes, du premier coup. Nice, c'est la victoire. On a réussi, encore une fois. Merci d'avoir aidé mon village. L'autre, regardez là-bas, il ouvre une bouteille de champagne. Super idée, ce laser. Le robot est définitivement capoute. Ouais, et tu as fait du bon boulot en le guidant jusqu'à nous. Merci. Alerte, intrusion, alerte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais qu'on aurait besoin de plus de sécurité dans la base, donc j'ai installé un détecteur d'intrusion. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a un intrus. Et ça fait quoi? Ça coupe le courant. Oh, coucou, what? C'est quoi ça? Ah, j'ai besoin de votre aide. Pardon? Ça se fait pas de rentrer dans les bases des autres comme ça. Désolé, je ne suis qu'un verre. Bon, ok, qu'est-ce que tu veux? Ma famille et moi vivons dans la vieille mine sous le lac. Normalement, on boit de l'eau qui goûte du plafond. Mais tout à coup, l'eau a arrêté de couler. Tu crois que ça a un rapport avec Sunshine? J'en ai peur. On pourrait peut-être y aller pour jeter un œil. Ça serait très aimable de votre part. C'est d'accord. On va aller voir ce qui se passe. Merci. Je vous retrouve là-bas. Ah oui, d'accord. Lui, il peut se barrer comme ça. Quelle étrange créature. Ouais, elle se tortille beaucoup. T'en servais, hein, les gars. Donc... vous devriez venir voir ça, ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On descend dans la salle secrète des arbres. Oh, what? Quelqu'un a fait un trou? Qu'est-ce que c'est que ce trou? Aucune idée. Le mur a dû s'écrouler à cause de l'alarme. Regardez, on dirait une armoire électrique. Peut-être qu'on pourrait réparer le métro. Tu pourrais jeter un œil? Remets le cours en route. Très bien. Ha, je m'en occupe après tout. Je fais tout, moi. Destructeur de base, électricien. Oh. Ah, je pense que comme ça, ça devrait marcher. Alors. Excellent! Mais c'est génial! C'est bon! Feu Jumper électricien. Ok. Pas comme ça. Bon, ça va. C'est pas. Voilà. On a connu plus dur, hein. Voilà. Attends. Le verre là-haut, là. Comment j'y accède? Ah. Ah. Il va falloir trouver le moyen. Attends, j'ai compris. J'ai compris, attendez. Comme ça, regardez, vous allez voir. Si je veux pouvoir passer de l'autre côté, il faut que je puisse faire ça. Voilà, je passe carrément dans les courants électriques, moi. Ok, alors le verre, c'était pas bon, voilà. Là, c'est bon, tout est correct. Voilà, comme ça. Ok, et maintenant, le bleu. Encore. Nice, c'est bon, là, les amis, on peut y aller. Ok, activation de l'électricité. C'est bon. Lumière allumée. Très bien. Oh, ça se complique. Alors, on va d'abord faire un truc pour pouvoir passer. Je pense que ouais, déjà, il faut pouvoir accéder au rang. Ah, attends, le rang, j'ai pas moyen de décaler. Ouais, c'est bon, nickel. Alors, tac. Ok. Oh, nice. Le vert, c'est bon, là. Ah, c'est bon, là. Oh, on est bon, là. Ok, nickel. Je pensais que je devais aller toucher au bleu, mais au final, bah non, regardez, c'est bon. On est bon. What? Non, mais on a été tellement vite pour faire celui-là. Allez, c'est parti, ça passe. Ça passe, la puissance. Yes. Et voilà. Je crois que c'est bon. Bon, allez, ça a l'air d'être bon. Hein. Écoute, elle était rapide. C'est bon, les gars. Le cours est revenu. On aurait pouvoir prendre le métro à présent. Et ça tombe bien parce qu'on devait aller à l'autre bout de la map, donc... J'aime bien comment ils sautent, quoi. Ils peuvent pas marcher normalement, c'est sérieux. Bon, on saute. Voilà, comme ça. Ok, alors du coup... Alors, on va aller voir un petit peu. Excusez-moi, monsieur. Pardon, j'ai une mission.
Je dois sauver le monde. Alors, je suis magnifique avec mon chapeau, j'ai oublié que j'avais ce truc là sur moi. Oh, le métro. Est-ce qu'il fonctionne du coup? On peut enfin aller au lac. J'espère que Sunshine n'a pas causé trop de dégâts. Bah à mon avis, je pense que oui, hein. On va pas se mentir. La forêt, le lac, la vallée. Oh, génial. Regardez, on peut retourner à tous les endroits de la map. Eh bah direction le lac du coup. Hop là. Salut. Eh, vous n'êtes pas avec moi? Pourquoi? Pourquoi? Ah bah si, ils sont venus, ok. Mais ouais, ce métro est rapide. C'est vraiment dommage que personne n'ait pu l'utiliser. Avec un peu d'espoir, ça devrait changer maintenant que tu l'as réparé. Le lac est droit devant. J'ai hâte de piquer une tête. Oui, moi aussi, ça tombe bien. On y va. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il me faut une clé. Oh, c'est cool, ils me suivent. Oh, qu'est-ce que... Où est passé le lac? Où est passé l'eau, toute l'eau? Je parie que Sunshine est impliqué là-dedans. Oh non, ils ont aspiré l'eau. Oh, allons retrouver ce verre. Objectif principal. Inspecte le lac. C'est pas possible, man. Sunshine, je sais pas quoi. Waouh, c'est terrible. Ils ont aspiré tout l'eau du lac. Oh, vous entendez, c'est le bruit d'un robot. Rien de surprenant. Oh, le pire, il boit à la paille et tout. C'est donc pour ça que le lac est asséché. Les robots ont construit un barrage pour aspirer toute l'eau. On va s'en occuper. C'est pire que ce qu'on pensait. Coucou. Ah, tu es là. Tu as vu ça? Oui, et on a remarqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? J'ai pas trop. Vous devriez parler à maman avant. Maman? C'est qui, maman? Ma maman. D'accord. Ok, logique, oui. Ben. Où habites-tu? On habite dans la vieille mine sous le lac. Vous pouvez y rentrer en prenant l'ascenseur dans la cabane. Par contre, il vous faut la clé. Heureusement, je l'ai sur moi. Une minute. Ok, j'ai perdu la clé. Tu sais où elle pourrait être? J'ai dû la perdre sur le chemin en creusant jusqu'ici. Elle ne devrait pas être très loin. Bon, c'est l'heure de creuser. Ouais, attends, il est sympa lui. Retrouve la clé de la cabane. Oh, qu'est-ce que c'est? Pig Dog. Oh, c'est un jeu en mode rétro. Génial. Ok, oh, excellent. Bon, ça doit être dans les profondeurs, non? Ok, brique. Oh, génial. Excellent. Bon, alors où est cette clé? Y'a quoi ici là? Attends. Ok, un rocher. Oh, un os. J'avais pas besoin de ça, j'en ai pas besoin. Ok, ça monte. Oh, un crâne. Très bien, le crâne. Bonjour, le crâne. Ah, c'est excellent. Avec là, tu vois. Yes, j'en étais sûr. La clé de la cabane. Nice. Et bah voilà, c'était pas très compliqué de creuser, tu vois. Alors, c'était quoi ça? Je me sens vieille. Où est passé le gars qui se tortille? Il doit être reparti dans la mine. Et on devrait faire pareil maintenant qu'on a la clé. On y va. Ok, direction la mine, les gars. Vite. Allez, on se pousse. Wouh, allez. Non, mais marchez pas dessus. Non, mais je ne suis pas un transport. Je ne suis pas un overboard. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ok, du coup, direction. Oh, il y a un petit cadeau. Sympa la musique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, vous avez trouvé un Pig Dog. C'est une bande d'arcade. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, cette cabane, ça va être un ascenseur, tu sais. Eh bah, c'est ça, j'en étais sûr, tu vois. Allez, les gars, j'y vais. C'est parti. Ça descend. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout en bas de cette mine? Oh, vous avez trouvé la clé. Encore désolé. Suivez-moi. Toute ma famille est en dessous. Quel étrange personnage. On n'est pas. On n'est pas des vers. Bon, il va falloir la jouer à l'ancienne. Vas-y, on te suit. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un truc de pété là, à gauche, là. Ça se pétera peut-être plus tard, regardez là. Poussez-moi les gars, je veux regarder un truc là. Je veux regarder un truc. Non mais, wow. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un escargot. What? D'accord. C'est une danse de scarabée. Ok. D'accord. Non mais d'accord. Ah écoutez, il n'y avait pas la télé à ce moment-là. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Bon, j'ai vu qu'il y avait encore un truc là-haut, là, mais... Qu'est-ce que c'est? Oh, oh. Oups. Il va falloir qu'on trouve une autre sortie. Il y a l'autre qui dit ça alors qu'il est au-dessus de moi. Pousse-toi. Alors, on a un crâne ici. D'accord. Ça, on peut casser, je suppose, ok. Et là... Attends, qu'est-ce qu'il y a, là? Ouais, d'accord, c'est juste un passage. Ah, bah oui, sinon, je peux pas... D'accord. Je peux pas redescendre. Ok. Levier enclenché. Passage libéré. Oh, de la dynamite. On fait tout péter! Allons-y, yes! Ok. Ça, c'est bon.
Un petit crochet. Oh, dynamite. Alors, c'est là. Alors les autres, surtout, vous, regardez-moi, hein, vous avez raison, m'aidez pas. Hein. Alors, on a... Ok. Mm-hmm. Donc là, il faudrait prendre le baril. Nickel. Non, pas nickel, pas du tout. Non, non, c'était pas... Non, t'as fait mieux, là. T'as fait mieux, Picou Jumper. Voilà, ça, c'est bon. Et là, l'autre va être libéré, je suppose. Yeah. Ok, comment on va pouvoir le mettre là-haut, ce truc? Ah, je crois que ça va. Non, va pas là-bas, non. Ah bah si. C'est carrément une... Ah, j'ai trouvé. Il va falloir être plus rapide que le baril. Ce qui est totalement possible, hein, si je fais ça, regardez. Hop là, voilà. Intéressant. Eh, hey, il y en a dans la tête, hein, le Picou Jumper. Ok, ça c'est pas pour la... Enfin, pour la... Ok, ça c'est quoi? Une caisse à ressort. Ah. C'est pas... C'est... Qu'est-ce que je viens de faire là? Ok, c'est pourquoi ça? Oh, c'est pour la sortir, d'accord. Ok, et là on peut monter directement, d'accord. Oh, génial. Oh, il y a un robot là. Un robot en pierre. Ou alors c'est quelqu'un qui a fait des statues en pierre de robot. Oh, non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Oh, bah ça fait pousser une fleur, tiens. Oh, toutes les maisons ici, elles ont été cassées, vous avez vu? C'est terrible. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est sûrement à cause des robots, je pense. Terrible. Terrible, ces robots. Saloperie de robots, hein. Eh, tu es perdu? Non. Oh, super. Plus personne ne vient ici. Les habitants de ce village étaient très sympas. Il y a des années, ils ont commencé à construire le métro qui aurait relié toutes les villes de l'île. Tout le monde était content. Mais ils ont creusé trop près du volcan qui s'est réveillé et a enseveli la ville tout entière. Je crois que personne n'a survécu à l'éruption. Bon, on a du pain sur la planche. Je t'attends près de l'ascenseur. Oh, oh, c'est des gens qui ont été ensevelis par la lave. Oh, chaud quand même. Pas terrible. Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de crânes partout. Pas, ouais, c'est pas terrible, on est d'accord. Bon, arrête de jouer avec ce crâne, Picou. Mais bon, si ça peut nous servir. Ok. Dynamite! Ça pète! Yeah! J'ai peur, je croyais que j'allais faire tout le tour. Comment faire pour descendre l'ascenseur? Pas de soucis, les gars. C'est mon affaire. Ah! Heureusement qu'il est là, Michel! Michel le verre. Ce verre est tellement bizarre. Et entortillé. Je n'ai jamais eu d'amis qui se tortillent. J'en ai sûr? Tu ne te rappelles pas de cette chenille? Oh! Tu veux parler de Pénélope? C'est vrai. Elle s'est tortillée. Mais on a perdu le contact une fois qu'elle s'est transformée en papillon. Ça fait des semaines. J'espère qu'elle va bien. Hein? Oui, oui, sûrement. Pénélope? Vite. Par ici. On y va! Attendez, qu'est-ce qu'il y a à gauche là? Non, les mecs! Non, ne commencez pas à monter dessus! Non, il n'y a rien. D'accord, c'est sûrement les verres qu'on creusait ici. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Oh, il manque un levier. Mm-hmm. Est-ce que ça ne serait pas ici par hasard, les amis? Hein? Oh, il y a des plateformes et tout de l'autre côté. Très bien, on verra ça après. J'arrive, les gars! J'arrive! Qu'est-ce que. What? Depuis quand je peux passer dans les tuyaux comme ça? Ok. Je dirais l'autre là-bas là. Non, bah attends, on va aller dans celui-là. Oh, le levier. Un détonateur. Très bien. Allez, on y va. C'est parti. On y va. On traverse tout. Et nous voilà. Ok. Alors, on reprend ce petit tuyau. Comme ceci. Et nous y sommes. Alors, le levier. Non, je vais grimper de l'autre côté. Faut que je monte sur la dynamite. Sinon, je ne pourrai pas remonter. Ok. Voilà, comme ça. Je pose le levier et ça pète. Attention les gars. Bah oui, bah restez pas à côté aussi. Alors, où est-ce que ça va nous mener tout ça? Oh, vous tapez dessus? Intéressant. J'ai l'impression que j'ai raté un truc au-dessus. Attendez. Vous êtes pas obligé de me suivre, hein. Oh. Ça se lève. Ça se lève. Très bien, mais j'ai l'impression, regardez, qu'il manque un autre levier activé. Ok, oh la pièce. Hop là, hop là. Bon, ça va, honnêtement, on a connu plus dur comme énigme, on est d'accord. Bam, ça c'est fait, hop, voilà. Je prends la pièce, au passage. Oh, attends, il y a un autre passage là. Oh, des barils de partout. Ça tombe, ça tombe. Voilà. Ok, bon, ça sert à rien en fait. C'est juste la déco, je pense. Ok, ah non, c'est... Oh, 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 oh. J'ai trouvé. C'était sûrement pour passer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Allez, ça y va. Allez, ça y va. Boum.
Ok, faut que ça reste dessus. Non, attends, pousse-toi. Faut pas que ça bloque non plus le passage. Ça va bloquer le passage? Non, c'est bon, ça les pousse. Ok, très bien. Bon, eh, on va quand même réussir à sortir de cette grotte, hein. C'est pas possible. Poussez-vous. Et le verre, là, qui pourrait nous aider, là, au lieu de nous regarder galérer, là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors là, il y a un truc à faire pousser, là. Hop, ça, ça pousse. Voilà, nickel. Et là, oh, pour une pièce, d'accord. Ça valait le coup, dis donc. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un passage. Ah bah c'est bon, c'était juste à pousser, très bien. Hop, voilà. Oh, il y a un truc là en bas. C'est un crâne de mineur. D'accord. Ça n'inspire pas confiance, tu sais. Petit ressort. Là, il y a un truc. Oh, il y a plein de crânes. Bon, on va devoir en utiliser, je suis désolé, hein. Désolé les crânes. Ok, on pousse. Parfait. Ok, on a quoi ici? J'ai vu qu'il y avait encore un autre levier à ouvrir en bas. Oh, ça sent l'énigme ultime. Oh, ça sent l'énigme ultime. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attends, je crois que j'ai vu un levier passer en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Le levier va sûrement nous aider à monter. Non? C'est pas... Non, c'est pas ça en fait. Autant pour moi. Mais qu'est-ce... Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ah, sûrement à faire... Regarde, à le faire passer en dessous. Non? Oh, ça a l'air d'être ça, oui. Bon, en soi, tu me diras, j'aurais pu prendre les crânes, hein, donc c'était pas gênant. On a besoin de ça? Oh oui! Yes! Passage ouvert! Nice! Venez, les gars! Dynamite! Ça pète! Yes, bam! Allez, on continue, on y est presque! On y est presque! Alors, waouh! Ok. Oh, le verre est là! Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Ah, il manque, il en manque un. Ah, il arrive avec un peu de retard. Comment il s'est foxé, quoi? Maman, ils sont là. Oula. Oula, oula, je m'en doutais. Oh, je m'en doutais que ça allait être énorme. Bonjour. Salut. Qui êtes-vous? Je crois que l'un de vos enfants nous a demandé de venir vous aider à résoudre un problème de plomberie. Oui, quelque chose en rapport avec l'eau. Oh, je vois. Eh bien, pendant des années, l'eau coulait de ce tuyau au plafond. On la buvait, on se douchait avec, on faisait le ménage avec. On tient à la propreté chez nous. Mais depuis peu, l'eau a arrêté de couler. Et maintenant, nous avons soif et cet endroit est insalubre. Nous avons vu le robot vider tout le long du lac. On peut vous aider. Ça serait formidable. Mais avant cela, je voudrais vous demander un service. Ah, dites-nous, nous sommes là pour vous aider. Ernie, l'un de mes enfants a disparu. Je pense qu'il est parti chercher une autre source d'eau au fond de la mine, mais il n'est toujours pas revenu. Je commence à penser qu'il pourrait avoir des soucis. Vous pouvez essayer de le retrouver sans problème, dame. Bon, on va pas se regarder dans le blanc des yeux, hein, c'est le cas de le dire, tu vois. J'avoue que... Non, pardon, j'avoue que je suis un peu fatigué. Ah, c'est bon, je me trompe dans les voix, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais. Pareil. D'accord. Peux-tu aller chercher Annie? Nous t'attendons aussi. Posez tranquille avec les verres. Les verres qui se tortillent. Non mais ça va les gars! Faut que je m'occupe de tout! Regardez le verre, il me regarde. Vous avez vu? Ok, c'est où que je dois aller? C'est là? Bon bah écoute, on y va. Hein. Allez, c'est parti, ça part! Oh, alors... Oh, un cadeau! Il dorme, regarde au-dessus, il se bouge quoi. Vous avez trouvé un trophée, les verres. Oh, sympa les trophées. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Hein? On dirait une pièce! Très bien! Super la pièce! Et là, de l'autre côté, là-bas, ça fait des petites notes de musique, les espèces de lupiottes, là. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc, là. Qu'est-ce que c'est? Une dynamite! Ça va péter! Ah, nickel. Ça, c'est fait. Et là, c'est quoi, là-bas? Blablabla. C'est quoi, ce truc? C'est un citron! C'est un homme citron! On va aller voir ça. Attendez. Ouais, c'est pour après, ça. Eh, là, salut! Hein? Moi, c'est Rini. Je sais qu'on ne dirait pas, mais je suis un verre. Enchanté de te connaître. Je cherchais de l'eau et j'ai trouvé cette jolie fontaine. Ça avait l'air tellement beau que j'ai tout bu. En fait, ça n'était pas du tout beau. Et j'aimerais bien retrouver... retrouver avec ma maman, mais je peux plus bouger. Tu pourrais m'aider. Alors, Ernie, il va falloir que... qu'on trouve le moyen de sortir d'ici. Ernie, mon cher ami. Comment tu fais pour te... mettre dans ces états pareils, mais c'est pas possible. Regardez-moi ça, quoi. Il est gonflé à bloc. Oh là 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 là, le pire.
Allez, viens là, Ernie. On va trouver le moyen de te sortir d'ici, t'inquiète. Voilà. Oh, je l'ai coincé la tête. Bleu. 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 Le pauvre. Le pauvre. Il est coincé et tout, quoi. Allez, Ernie, roule. Roule, bouboule. Allez, Ernie. Un petit effort. Ok. Ok, on peut pas plus. Il faut que je vienne l'aider. Allez, Ernie. Allez, on y va. Allez, on monte. Oh là là, il a bu des produits toxiques, j'ai l'impression, le pauvre. C'est pour ça qu'il est au fluorescent comme ça. Voilà, voilà comment on est un ver luisant. Ok, alors on va rigoler, je pense, quand il va passer le moulinet là. Alors, voyons voir. Ouais, on se calme. Ah, c'est chaud là, waouh. Est-ce qu'il y a pas un truc à faire là-bas? Non, ça m'étonnerait. Non, je pense que c'est vraiment là qu'il faut passer. C'est Pikuniku après tout. Alors, du coup. Hop. Allez, allez. Allez, Ernie, s'il te plaît. Voilà, bien joué. Allez, Ernie, ouais. Oui, Ernie. Envole-toi. Ok, allez, on y va. Je m'occupe de toi, mon pote. Tu es magnifique. Alors, on va éviter de le faire tomber de l'autre côté, hein. Allez, on y va, Ernie, c'est parti. Je te pousse, t'inquiète pas. Ça fait pas mal. J'ai des chaussons au bout des pieds. Oh là là, ce truc, quoi. Ok, bon, Ernie, tu bouges pas, j'arrive. Je vais essayer de trouver le moyen de me grimper là, voilà. Est-ce qu'il y a un truc à faire passer là-dedans? Ou c'est toi qui dois aller là-dedans? Non, je pense que c'est moi. Ok, yes, j'y suis presque, Ernie, j'arrive. Ok. Allez, c'est parti. On y va, Ernie, accroche-toi. Oh, le pire, quoi. Hop là, ce jeu est vraiment génial, quand même. On voit les trucs qu'on pensait pas qu'on allait voir, tu vois. Momo! Oh là, il roule. Oh, il est tombé. Il est tombé, ça y est, il y est arrivé. Oui, arrêtez de me regarder comme ça, les verts. Tout va bien. Ernie! Une minute. Pourquoi es-tu vert et rond? Je trouvais de l'eau verte et j'ai tout bu. C'était pas très bon. Oh, Ernie. Petit casse-cou, au moins tu es sain et sauf. Le machin rouge m'a aidé. Merci. Nous n'avons pas d'eau, mais au moins toute la famille est réunie. Je pense que vos amis ont quelque chose à vous dire. Ils sont derrière. Ha! Les rebelles, hein? Même pas, ils m'ont aidé. Eh, te voilà! On a découvert quelque chose. Les vers sont des créatures fascinantes. Des créatures entortillées fascinantes. Il est toujours obligé d'ajuster son détail comme quoi il bouge, tu sais, les vers. Regarde ça! Oh! Peut-être qu'on pourrait vaincre le robot avec l'aide des vers. Balle robot du lac. Nice! Ça a l'air de faire mal, mais je me sens tout léger. Excellent, ça. Il y a un truc, là. Tout à l'heure, j'ai pas osé y aller. Qu'est-ce que... C'est pour où? C'est pour aller où, là? Ah, c'est pour sortir. D'accord. Ok, bah ça tombe bien, parce qu'on allait s'occuper des... Oh, Ernie le vert. Ernie! Allez, on y va, les amis! On va s'occuper de ce robot! Avec les verts. Je sais pas comment on va s'y prendre, mais... Ok. Allez, bat le robot du lac. C'est parti. J'y vais. En roulant. Let's go. Tu vois, on va s'occuper de lui. Ça va être rapide. C'est moi qui te l'a dit, copain. Alors, il est où? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont fait des plateformes. Hey, tu es prêt à affronter le robot? À fond. Ok, c'est parti. Génial. Ouais, je vais devoir faire aller de plateforme en plateforme, je pense. Oh, ça va être chaud. Le robot est furieux. Évite ses tirs. Ah, et aussi évite de tomber. Ouais, vite. Ok, waouh. Bon. Waouh. Ah oui, d'accord. Pistolet à eau, le machin. Ok, attention. Ok. Ça va, c'est pas trop dur. Il va bientôt plus avoir d'eau, je pense, au bout d'un moment, non? Ouh. Je l'ai évité peu, celui-là. Ok. Le robot n'a plus d'eau, il doit se recharger. Attention, on bouge. Oh, génial. C'est des vrais ballons. Faut le taper. Tiens. Faut se faire aspirer. Attends, je rentre dedans. Oh, ils vont pas aimer, je crois. Ah, je fais un bouchon. Je fais un bouchon. Oh, ils ont pas aimé. Ça t'apprendra, l'ami. Ok, attention, ça tire. Ok. C'est bon, il vise en bas. Oh là là, oh là là, oh là. En plus, on voit bien les réserves qui se vident là dans l'espèce de fenêtre. Oh là là.
Oh là là. Ok, il tire que 3 fois, je note. Ok, le rayon. Il a plus d'eau, je crois. Ouais, c'est bon, il va se recharger. C'est parti. Ok, on va faire le bouchon. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont 3 points de vie. Enfin, faut les taper 3 fois. C'est toujours la règle base dans les jeux, je trouve. Ok, c'est parti, j'arrive, mon gars. T'auras pas le temps de te recharger, je te le dis. Allez, viens là. Hop. Le bouchon. Le bouchon qui fait mal. Oh, il va exploser. Allez, c'est reparti. Ok. Bon, attention. Wow, j'ai failli glisser. J'ai failli tomber. Hein. J'ai failli tomber quand même. Ok, il va retirer là. Ok, c'est good. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien pour l'instant. Ok. Ok. Fouah. Faut être méga rapide. Hein. Il faut avoir des réflexes de Piku Ninja, les amis. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Allez, les gars, amenez-moi là-bas. Vite. C'est la dernière ligne droite. On peut le battre. On peut le battre. On peut le battre. Vite, 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 vite. Il respire plus vite maintenant. Yes, le bouchon. Le bouchon de la muerte. Et boum. Oh, il va pas aimer. Alors, ça fait mal. Et boum, on n'en parle plus. Yes. Oh non. Le boss. C'est le boss final. C'est la barbe à papa. Ok. Ça fait un moment que je t'ai l'œil. Cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu as détruit tous mes robots. Assez. Attrapez-le. Non. Lâchez-moi. Lâche-moi. Oui, je fais même les échos, ouais. Oh non. Oups. Tu as été capturé. C'est ton objectif principal. Oh non. Ils m'ont mis dans une prison. Ne songe même pas à t'échapper. Je suis dans la pièce à côté et je te surveille. Ouais. Ok, la prison des robots. Très bien. Oh, le verre. Eh, donc, désolé, on n'avait pas prévu ça. J'ai creusé jusqu'ici. Je pense que personne ne m'a vu. Mais cet endroit est plein de robots. Il faut qu'on te sorte d'ici. Ça roule. J'ai une idée. Ou un moyen de distraire le robot. Je me charge du reste. Ça roule. J'ai pété la caméra. Quoi? Ouais, j'ai pété ta caméra, mon gars. Incroyable. Je te laisse seul 2 minutes et tu trouves quand même le moyen de détruire quelque chose. Est-ce que tu sais le temps que ça prend de remplacer ça? Il y a des tonnes de papiers à remplir et j'ai besoin de l'autorisation des managers. Ça va prendre des siècles. Youpi. J'ai pris la clé. Ok, vous n'avez pas compris. Merci d'avoir gâché ma journée. Ne touche plus à rien. C'est vrai qu'il ressemble à des nuages quand même. Alors, j'ai la clé. Allez, vas-y. Allez, Robert. Et voilà. Ok, on se barre. La grille de ventilation. Nice. Un classique. Toujours une grille de ventilation. Hop là. Voilà. Il devrait pas mettre des grilles de ventilation dans les prisons. Comme ça, tu vois. Ok, yes, on se barre. Alors, qu'est-ce que c'est? Un ascenseur. Wouah. On est dans la base, vous pensez, des robots? Échappe-toi du volcan. Oh, ils sont dans un volcan. Ha. Attends. Wouah, il y a masse robot. Comment je vais faire? Passer au-dessus des lampadaires, je pense. La pièce d'à côté est pleine de robots. Sois discret. S'il te voit, tu vas te faire prendre. Bah, je prends les grilles d'aération. Oh. Il faut rester à pied. Très bien, ça. C'est parti. Ok. Ok. Faut pas aller à celle en bas. Vous avez vu, regardez celle en bas. Ok, on va éviter d'aller à celle-là. Ouais, si je vais à celle-là, je vais forcément tomber nez à nez avec eux. Ok. Oh là là, les lampadaires qui se cassent. Et quoi? Je ne t'ai pas déjà demandé de réparer cette porte la semaine dernière? Oh, j'ai tellement peur. Non. Je me rappelle parfaitement t'avoir demandé de la réparer. L'imperfection est beauté. On est d'accord sur ce point, mais quand même, ce serait bien que tu répares cette porte un de ces jours. C'est terrible. Ok, je vais falloir que je me concentre, les amis. Ok, on y va. Ouf, c'était chaud. Qu'est-ce qu'ils font? On dirait un plan pour construire une ville géante. Il faut vraiment que tu sortes d'ici. T'inquiète, je m'en occupe. Ok.
Y'a un robot là-haut. Waouh, y'a plein de robots là-haut. Alors, attendez. Faut que j'aille à la grille en haut à droite. Ouais, c'est bon. Ok, la grille en haut à droite. La grille en haut à droite. Je note parce que si je sors dans la mauvaise grille, je vais m'en souvenir. Ok. C'est celle là-haut, là, à droite. Comment je vais faire pour y passer? Oh, il faut que je trouve le moyen d'activer l'autre grille. Alors. Alors, je dirais, dans le doute. Je sais plus. Vous savez quoi, les amis, dans le doute? Allez, on va aller dans celle-là. Hein. Écoute, au pif. Ok, c'est bon, y'a personne. Alors, est-ce qu'il suffirait. Attends. Oh, ils m'ont pas vu! Feu jumper, l'agent secret! Nice! Ok, ça, ça vole. Ok, ils m'ont pas vu. Yes, c'est bon. J'étais au plus discret possible. Ok, là, c'est bon! Alors, on se souvenait que c'était en haut à droite, hein. Ça, c'était bon. J'ai pas eu besoin de regarder ça, j'étais sûr. Ok. Et puis, c'est logique, hein. On voit bien que c'est la zone la plus chiante. Yes! On a passé l'endroit. Ok, impeccable. Ok, encore debout. Ah ouais, regardez! Il y a le directeur. Alors, c'est terminé? Ça va ressembler à ça. Oui, tous les bâtiments que vous avez demandé, ils sont... Où est ma maison? Vous avez pensé à ma maison? Oui, elle est juste ici, au milieu. Ah oui, je la vois. Elle sera prête pour la grande éruption? Nous avons déjà commencé la production. Bien, très bien. Je devrais aller vérifier ça. Ouais, lui, ça sent le grand méchant! Monsieur Monopoly, papa, papa! Ha! Je vais m'occuper de toi, t'inquiète, et de tes robots, là. Ok, très bien, on passe là. Ok. Son village, tiens, regarde sa ville, ce que j'en fais de cette ville, hein. M'inquiète. Alors. La grande éruption. Mais de quoi ils parlent? Quelque chose ne tourne pas rond. Là, ils vont simplement faire. Oh, ça devait être ça, la lave en fait qu'il y avait dans les grottes. C'était leur premier essai, ils ont testé sur un village qui était caché pour voir si ça marchait avant de le faire sur la grande ville. Enfin, sur tout le monde depuis Kuniku. Oh, terrible. Intrusion, intrusion détectée. Alerte, intrusion, activation des lasers. Non, attends, attends, je suis encore. Ok, les lasers, hein. Très bien. J'ai vu qu'il y avait un petit coffre là-haut, là. Ok. Alors là, va falloir être très prudent avec les lasers. Attendez, je veux le coffre, moi. Ah! C'est moi ce coffre. Ah, j'y arriverai pas. Ah, j'y arriverai pas. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas me laisser y aller. Attends, est-ce que je peux y aller autrement? Non, bon, écoute, on va aller comme ça directement. Laser. Boum! Ah, nickel. Voilà, maintenant que lui c'est fait, on va pouvoir passer et on va aller là-bas. Oh, il a pas aimé. Oh, attends. J'ai une idée, les amis. Pour le trophée, vous allez voir. Attendez. Voilà, ça en désactive. Ça, je pense que. Ouais, c'est pour ouvrir. Très bien. Ça met nous, ça. Ça nous fait remonter. Ah non, ah non, ça nous fait passer de l'autre côté. Trop bien. Bon, écoute, pourquoi pas. Ok. J'active. Voilà, donc là, je peux aller par là. Ah, nice! Ouais, j'ai trouvé. Cool. Cool, cool. Et bah, nickel. C'est exactement ce que je voulais. Regardez. Hop, le laser est désactivé. Super, je disais bien qu'il y avait une plateforme. Regardez. Yay. On va aller chercher le cadeau. Il est à nous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Robot de Sunshine. Ah, c'est un trophée, d'accord. Nice. Non, je suis pas déçu. De quoi vous parlez? Ok, on va aller là-bas. Allez, c'est parti. On rentre dans la grille. Et là, on va aller à droite, cette fois-ci. Direction à droite, ok. Ouverture de porte. C'est fait. Très bien. Hop, on redescend. Voilà. De toute façon, en fait, au final, je vais devoir repasser par là où je suis passé, tu vois. Donc, je ne pensais pas. Ok. Voilà, et là... ah, ouais, non, il faut désactiver le... Oh, il faut redésactiver le truc. Oh! Oh, bah oui. Bah oui, bah oui, parce que maintenant que je l'ai. Sinon, je peux pas passer. Regardez. Ah, là, c'est bon. Bon, ça va, c'est rapide. En soi, ça passe. C'est de type plutôt rapide quand même, hein. Voilà. Et là, je peux aller à droite. Voilà! Eh ben, yo, hey, c'est très puzzle, hein. Alors, c'est quoi ça? Ok, ça, c'était le laser tout à l'heure. Je vérifie quand même, on sait jamais. Alors, oh, une plateforme. Voilà. Tranquille. Oh, attendez, c'est... Oh, regardez. Oh! Ils veulent extraire la matière grise, le cerveau des villageois. Les pires. Oh, je vais m'occuper d'eux à coups de pied dans la tronche. Alors. Très bien, ventilation. Ok. C'est pas papa, tiens. Désolé.
Oh, c'est des scientifiques robots. Ça te fait des semaines, vous travaillez là-dessus et ce n'est toujours pas prêt. Il y a des problèmes de phrase, à ce que je vois. Désolé. On parle d'un monde nouveau, là. Un monde parfait. Désolé. Sont-ils prêts pour la grande éruption? Désolé. Ils n'arrivent pas à dire ça. C'est pas ce que j'ai demandé. Tous les citoyens de Sunshine Town doivent être parfaits, tu comprends? D'accord. Bien, assure-toi que tout soit prêt pour le mois prochain, ok? D'accord. Peu importe. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur les villageois, là? Qu'est-ce que vous allez leur faire, monstre? Ok. Hé, hey, on est là, aidez-nous! Une seconde, tu les connais? Qu'est-ce qu'ils font ici? Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir les cages. Ok. Alors. Ouais, bizarre. Ils font vraiment des essais dessus, c'est bien ce que je pensais. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, il me faut une porte. Ah, ça passe. Ok. Très bien. Accès aux portes. Ok. Parfait. Ça, c'est fait. Tac. Du coup, direction, on retourne là-bas. On va être obligé de revenir ici pour pouvoir passer cette fois-ci à l'autre grille. Il faut qu'on les aide. Je peux pas les laisser là comme ça. Oh, à mon avis, il va falloir activer un laser pour pouvoir couper la corde. Alors, ça, c'est bon. Ok. Ça aussi, nickel. Là, je peux aller à gauche. Hop, ça c'est fait. Ils sont libérés. Voilà. Feu jumper à la rescousse. Ok, il y a encore un truc à débloquer. Ah, ils sont là. Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Merci. Ouf, j'ai cru que j'allais passer le reste de mes jours ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, tu te rappelles que j'avais gagné une visite spéciale du siège de Sunshine? Ah oui, c'est vrai. En réalité, ce n'était pas une visite. Ils nous mettent dans des cages pendant des jours et des jours. Et ils nous prennent en photo et ils nous filment. Prennent nos mesures. Pourquoi faire? Ils font des expériences. Ils les appellent les Sunshiners. Ah, c'est pour les transformer en villageois comme ils veulent. Oh, c'est une fusion entre les robots et les villageois. Horrible. Oh oh. C'est quoi ça? Ne t'inquiète pas. Ils sont inoffensifs. Ils ne sont pas très malins. Et c'est ça, Sunshiner. On dirait surtout un robot en train d'essayer de vous imiter. Ouais, en gros, c'est ça. Monsieur Sunshine veut qu'il soit parfait. Et je ne pense pas qu'il s'améliore. Ce ne sont que des robots après tout. Ils font que ce que Monsieur Sunshine leur dit. La grande éruption, Sunshine Town. Oula, il a un éclair d'esprit là. Oula, attention. Ça calcule. Ah, oh, mon dieu. Je suis un topiqueur en réalité. Je crois que j'ai compris. Monsieur Sunshine veut construire une ville géante où il pourra vivre avec tous les Sunshiners, lui obéissant au doigt et à l'œil. Pas une si mauvaise idée. Où est-ce qu'il va la construire? Il va déclencher l'éruption du volcan et anéantir tous les villages de l'île pour ériger sa ville. Ériger ou ériger, je sais plus. Je retire, très mauvaise idée. Il faut qu'on l'en empêche. T'inquiète. Stop, Monsieur Sunshine. Salut. Oh. Ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est une fusion entre les deux, d'accord. Non mais très bien, ok, pourquoi pas. Eh bah écoutez, bah les amis, on s'occupera de Monsieur Sunshine la fois prochaine. J'espère en tout cas, les amis, que cette aventure vous plaît toujours autant. Et oui, effectivement, vous l'avez vu, c'était un épisode beaucoup plus long, parce que je sais que vous adorez effectivement ce jeu. Du coup, je me suis dit, allez, pour le fun et pour vous faire plaisir, je me suis dit, on va faire un épisode un peu plus long. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne. Je vous remercie, Steven Jumper alias Piku, et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.